prendre à Lyon. Et aujourd'hui, Jérémy Meets Japan est à Ameyokocho. Jérémy Meets Japan. Ameyokocho, ça veut dire c'est la petite rue des bonbons. Et pourquoi des bonbons? En fait, il y a toute une histoire à base de sucre, de patates douces, d'américains et de marché noir. Ce qui fait que maintenant, ça n'a plus rien à voir et ça vend à peu près n'importe quoi. Entre autres avec des fruits, du poisson frais, des chaussures, des vêtements pas chers et des kebabs. On va faire un petit tour dès à présent. Puis les restaurants commencent à se remplir doucement. Ça a l'air pas mal ça. Des ramen. Donc c'est une rue plutôt vivante quoi. Donc les gens doivent se mettre sur des estrades pour les appeler dans leur shop de sacs pas chers. En vrai ou faux cuir, on sait pas trop. C'est un peu la rue Asie du Sud-Est quoi. Et donc voilà quelque chose de typiquement Ameyokocho. On a un magasin de poissons frais derrière moi, puis un magasin de montres et de bijoux juste à côté, des chaussures en face. Et puis du poisson frais parce que c'est le main quoi. Crabe, homard. So if you want fresh, cheap fish and good, you go to Ameyokocho.